Cette signature de l'accord d'approvisionnement d'équipements solaires voltaïques entre la société Tinda Cash Congo et la société Jasolar intervient un jour après la remise officielle par le gouvernement de l'agrément de la société Tinda Cash Congo. Ce partenariat concerne le projet INIE 2021-2046, spécifiquement pour la production d'électricité dans la zone économique spéciale. C'est dans le cadre de la livraison des panneaux. On s'assure de l'assister durant toute la procédure jusqu'au déploiement de ce projet. Donc nous nous assurons que les technologies qui seront déployées ici au Congo soient des technologies de nouvelle génération. Au terme de cette signature, le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Fila-Sainte-Eude, a félicité et encouragé les signataires de ce partenariat qui sera très profitable pour la zone économique spéciale d'INIE. La part que nous apportons d'appui dans le projet, c'est une part technique. Donc nous fournissons des panneaux de nouvelle génération qui permettront au projet d'être plus efficace.